D'accord. Elle pensait vous protéger. Oui, c'était très malin. Mais c'est le truc qui nous suit depuis tout à l'heure, que je suis. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je crois qu'elle s'est surestimée. Je vais la retrouver, puis je reviendrai m'occuper de vous. En attendant, profitez du spectacle. Le théâtre brutal. Ok, où suis-je? D'accord. L'horloge sont... Ok, d'accord. Carte. Où suis-je? Attendez. Ça, c'était l'étage. Hein. Je suis revenu au rez-de-chaussée. Du rez-de-chaussée, d'accord. Le couloir. Et là, je suppose que c'est l'accès au théâtre, du coup. D'accord. C'est quoi ça? Un distributeur qui vend des martinis. Du popcorn. Et un mystère. Grayson, le serrurier, et Red Rodrigue, le gentil Goliath. Deux personnes à sauver. Ok. Est-ce que j'ai des choses dans l'inventaire? Non. On me dit de me débrouiller comme ça. Il va falloir jouer avec le verre, du coup. Récupérer les invitations des gens que, malheureusement, ne sont plus là. Hein. Faut dire ce qui est. J'ai récupéré... J'ai récupéré qui? Je sais plus. Ben si, j'ai récupéré elle. Non, elle. Et lui. Et du coup, j'ai pas ces deux-là. Il va falloir que j'aille retrouver les cadavres de ces deux personnes. Et ben, ça en fait des choses dans ce jeu. La vue des fantômes derrière le bar remplit votre esprit d'idées de cocktails variés. Excusez-moi, mais l'électricité, quoi. C'est une boîte à pointe dotée d'un gros cadenas. Quel est cet endroit? Non, mais chargement, t'es sérieux, faut arrêter à un moment donné. Bar clandestin, une bougie que j'arrive toujours pas à faire pour que ce soit avec. Là, il y a un fantôme, mais je ne sais pas quoi faire avec. Le théâtre est là. Qu'est-ce que je fais? Je vais au théâtre ou je... Non, d'abord les salles à côté. Punaise, il y a beaucoup trop de salles. En vous détournant de la statue, vous pourriez jurer qu'elle a bougé. Ah non, mais commencez pas avec ça, il y a beaucoup trop de statues dans ce truc. Hein. Il y a combien de pièces? Oh mon dieu. Il y a une porte. Et une scène. Il y a un accès aux coulisses. Un tableau de travers. Une carte. Ah, bonjour, laissez-moi passer. Mais ils sont partout! Voilà. Une zone d'attente.
encore une carte. Qu'est-ce que c'est? C'est des machines à sous? Des bureaux, des bibliothèques, qu'est-ce que c'est? Des livres sur les mythes et les mystères. Génial. Des documents sur les spectacles du théâtre. Les étagères croulent sur l'art du spectacle et la magie. D'accord. C'est l'œuf de tous les œufs. Satan et Lucas. Donc là, il y a les deux que je dois sauver, je crois. Partout hein. Le bureau contient des notes. Pourquoi les tableaux bougent? Cœur. Il regarde. Ils sont en train d'espionner. Vous voyez, oui. Bavardage. Soupçon. Pas le moindre. Le mouvement. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? La proie, emprisonnée. La porte, ouverte. Cadenas. Mais lui, il s'en va pas. Ils s'en vont. Pas de courant. Et donc là, il va falloir faire quelque chose avec le courant. Le bureau contient des notes. Ah, mais fichez-moi la paix un peu. Mais lui, c'est celui que je dois sauver. Que se passe-t-il? Quel est ce bruit? Je comprends plus trop ce qui se passe, hein, mais bon, c'est pas grave. La statue de marbre, ok, d'accord. Une carte. Pas de courant, un placard, des livres, un grand briquet en or. Ça peut m'être utile, ça. C'est un truc quoi. Le roi de cœur. Ok. Et maintenant je retourne où exactement? Que je sache un peu où je vais, où je mette les pieds.
Les deux salles au milieu, on n'y a pas touché. Ou très peu. Et après, le tour est fait. Il faut faire encore deux salles. Donc c'était là-bas. Ah, ça fonctionne. Bonjour. Vous allez bien vous dire hein, de rétablir le courant, ils ont mis des trucs sous sol. Dites-leur qu'il y a un interrupteur derrière l'étagère dans la bibliothèque nord-est. Nord-est, c'est quoi ça? C'est à droite. Nord, en haut à droite. C'est un fervent, ben. Nord-est, c'est là-bas. Ok, il y a du courant à mettre là-bas. Alors la salle que je voulais aller à la base, c'était là. Qu'est-ce qu'il se tramait? Ça, j'ai eu le temps de le voir. Ça aussi. Un coffre, un miroir. C'est pas qu'un miroir, à mon avis. Hein. Bon. Remettre le courant. J'arrive, le courant, j'arrive. Et c'est bientôt la fin de journée en plus. Toujours plus fort les bruits, toujours plus fort. Oh, il y a un truc là. Un gros cadenas. Oh punaise. Je crois savoir où. Toujours pas là? Non, c'est la salle encore au-dessus. Ils sont morts de toute façon. Oh. Là, il y a un placard. Une invitation. Oh mon pauvre, je te plains. Vite, 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 vite. Et c'est fini. Bon. Je vais essayer de récupérer la clé ou pas. C'est une bonne question, ça. Donc. D'abord le briquet. Briquet qui se trouve plus haut. Ouais. Bonjour messieurs, excusez-moi, je passe. Ah, je n'ai plus besoin de tac. Normalement, c'est bon. Oh punaise, il faut faire ça dans l'ordre par contre. Un ordre. Il y a un ordre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un énorme œuf. Une trappe. Fermée par un énorme cadenas.
Excuse-moi, oui, je passe. Voilà. Voilà, allez, tac. Qu'est-ce qu'il va faire? Si je fais ça, c'est pas ça. Ça parlait de sous-sol hein, quand même tout à l'heure. Ah mais non, mais je suis parti trop tôt là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu vas mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ni le courant. Voilà. Mais je viens de couper le courant pourtant. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Je fais que passer, ne vous occupez pas de moi. Il y retourne. Mais ne touche à rien. Vite. Trop tard. T'as les mains fermées, t'as les mains. Voilà, elles sont coincées tes mains. Derrière la scène, il y a un interrupteur.
Comment ça, derrière la scène? Allez, on maintient. Je crois que c'est bon. Je pense que c'est bon. Il est toujours collé, hein. Mais oui, voilà. Bordel. Ne mets pas tes mains. Ne mets pas tes mains. C'est fait? C'est bon, ils sont sauvés? Ok. Bon. Je m'attendais à plus compliqué que ça. Deux personnes de sauver supplémentaires. Là, mon vieux. J'en étais bien mauvais. J'étais en bien mauvaise posture là-dedans. Avez-vous fait quelque chose, Lafcadio? Ben un petit peu quand même. M'avez-vous aidé? Merci. Allons, Red, le bar nous appelle. À cette sensation forte pour aujourd'hui. Et enfin, vous êtes. Quelqu'un a essayé de vous tuer, vous avez des preuves, et vous faites rien de plus. Bizarres les personnages. Oui. Boone, il était là, n'est-ce pas? Alors pourquoi? C'est vrai, ça il m'a laissé en vie. Touché délicat de Grayson. Voleur professionnel reconverti en expert de la sécurité, Grayson est un serrurier hors pair. Le masque de Grayson vous permet de forcer n'importe quelle serrure physique du manoir. Ouvrez les cadenas et les coffres forts en utilisant le pouvoir quand un message vous y invite. Ça, c'est cool. Enfin, je pourrai avancer sur les coffres. Grayson était un perceur de coffres très très talentueux. Pourquoi était ? Il a mis ses talents au service de la création des systèmes de sécurité du miroir. Ses talents au service de la création des systèmes de sécurité du manoir, pas des miroirs, manoir, oh là là. Peu de serrures résisteront à vos doigts de fée désormais. Mais il y en aura quand même. Vous devez partir. Bien. Ah, j'ai toujours un briquet sur moi, ça c'est cool. Alors, on jette un œil à la brochure. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Le beffroi. La cloche, quoi. Red Rock Ridge. D'accord. Et du nouveau dans les didacticiels. Seconde vue de Willow. La voix et le toucher. D'accord. Et mais en fait, c'est que ça a bien avancé vu qu'il reste deux pouvoirs potentiellement. Les convives, il en reste 1, 2, 3, 4. Ah oui, quand même. Mais ça, c'est les invitations que j'ai pas encore récupérées. Du coup, il va falloir retrouver les cadavres, malheureusement. Lui, je sais pas. Et là, je sais pas trop non plus, en fait.
Et pourquoi j'ai son nom d'invitation à lui? Je sais pas. Le casino, le poste de garde. Là, il y a des choses que je ne sais pas. Et là, il y a écrit quoi? Il y a un P, papillon. La maison aux papillons. Faut que je fasse quelque chose dans la pièce des papillons. Mais je comptais y retourner de toute façon. Le bar à poissons, il y a un autre bar. Sûrement le truc au... à poison, pardon, pas à poisson. Les chambres d'amis, tequila. Un pouvoir inconnu est nécessaire, ok. Trouver la carte du roi de trèfle. La pièce dérobée, le beffroi. Profondeur, quelque chose des profondeurs. Du... alors il y a marqué démon des profondeurs. Grimoire peut-être. La chambre de Willow. L'atelier de peinture. Voilà, j'en sais pas plus. Salle de musique. Et il y a plein de choses à faire. Mais niveau histoire en elle-même, c'est quand même bien avancé. Convive à sauver, il en reste 3, donc je dirais 2 chapitres et peut-être un truc en plus. On verra. Les cartes presque à la moitié. Les invitations, je pense que c'est possible de les récupérer. On va faire ça d'ailleurs. J'ai un peu de temps. On va aller récupérer des invitations. Ou casser des choses comme ça. Y. Ah ben une carte. Un 2 de pique. Ah, je peux pas repasser par là. Alors attendez, où est la sortie? Si je peux pas passer par là. Je suis bloqué dans le théâtre là. Attendez. Dans ce cas, il va falloir faire quelque chose avec la statue. Parce que je suis bloqué dans le théâtre. Elle n'a pas l'air de bouger, hein. Truc dans le miroir, c'est pas possible. À la statue, j'ai pas pu faire grand chose. Au niveau le... là où il y a le croisement, je peux pas aller en bas, la porte est bloquée. Je dois rester au théâtre pour le moment. S'il n'y a pas une bougie, quelque chose. La bougie là, c'est bon, c'est fait. Le truc à briser là-bas, c'est fait aussi. Je ne sais point. Je vais retourner à mon point de départ. Qui est... cette statue me perturbe. Ah mais attendez, on va peut-être faire quelque chose. 16h, oui. Toujours pas. On avance le temps à 20h. Alors s'il y avait censé y avoir une animation de gens qui passent, parce que le temps a été avancé, c'est un peu raté. Hein. Ou alors, c'est parce que... oh punaise.
Oh punaise. Y'a pas une bougie par là, là? Vu qu'il y a un fantôme. Y'a un truc là? Non. Bon, on va recommencer la journée. La journée, c'est avec l'horloge. Ah, je peux pas. On va y arriver. Oh punaise, je suis obligé d'attendre. Je peux pas recommencer la journée. Volontairement. Ça m'embête ça. Pas recommencer ça tranquillement. Non, il a mouru. Bon, je peux rien faire à part attendre. À la base. Ouh. C'était violent ça. Ça c'était violent. Et ils sont où? Ils sont où les serviteurs là qui parlent? Il est au-dessus. Sérieusement, il est au-dessus. Ah non, c'est pas lui qui est au-dessus. Il y a une trappe au milieu là-bas par contre. Il y a une trappe là-bas, donc va peut-être falloir passer par là. Pour aller à un autre endroit du manoir. On va voir. De toute façon, il y a le temps là. Je peux rien faire. À part attendre. Bien, alors là, on trace. On va tracer. Vite, 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 vite. Là, ça sera la suite. Et nouveau chargement, comme toujours. Bah. Où est-ce que ça me met? Nouvelle carte tout seul? Ce manoir est beaucoup trop grand. Killer 7. Le 3 de pique. Je sais pas où c'est que ça va nous amener. Un dragon. J'aime bien l'expression. Il a été dessiné par un maître expressionniste ou un très jeune enfant. Ah ouais, c'est pas pareil. Hein. Une grande échelle. Mais pour remonter où? Telle est la question. Optimisation sur 20.
Ces deux tonnelets dégagent une odeur étrange. La bière a peut-être tourné au vinaigre. Les chiffres des consommations du bar sembleraient contenir ici une double comptabilité. Allez, on monte. Et on va pas tarder à se quitter. Ah, je reviens là. D'accord. Sur quelque chose lié à l'Angleterre. Ok, vous avez trouvé une porte secrète qui mène au bar. Donc, hop là, je suis là. Et ça, c'est bien le sous-sol. Mais le sous-sol, vu toutes les cases qu'il y a là, à mon avis, il y a encore beaucoup à faire. Vraiment beaucoup. Là, il y a déjà la case du rez-de-chaussée. Vous voyez tout ce qu'il y a. Premier étage. À mon avis, il manque des choses. Bah oui, il manque forcément des choses, vu que j'ai pas le côté droit, le côté gauche. Et là, le sous-sol. Ouais, non, le sous-sol. Ah, il y avait une porte. Derrière, là. Il y avait une porte. Je l'avais pas vue. On va jeter un œil si c'est possible. C'est entre guillemets à côté. Et un point. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose. Donc c'est un tableau secret. D'accord. Ah, ce que je voulais. Alors, il va falloir sauver deux personnes. Thanos Goreki, le prince architecte, et Orum Runes, le géant de Midas. Ok. Et là, chargement... Plus carte. Je vais. On a parlé de cadenas, de portes verrouillées. Et ici, il y avait des portes verrouillées. Donc, ça, la prochaine partie de l'aventure se déroulera par là. Et on va s'arrêter là. Je sais pas comment on sauvegarde. J'aimerais bien. Ah, sauvegarder ici. Je m'arrête là. Ça va faire 4 heures. Et on se retrouve pour la suite de The Sexy Brutal demain. Je sais pas si ça sera long ou court. Il reste apparemment 2 chapitres à faire, mais il y a encore pas mal de mystères quand même, et je pense pas aller au 100%, néanmoins. Il y a une histoire d'invitation, de cartes. Voilà. À mon avis, il reste 2 chapitres, et le reste, il va falloir aller fouiller, se balader dans les zones, et perdre des journées, entre guillemets, de jeu, pour aller creuser toute cette histoire de 100%. Je sais pas, on verra. Peut-être qu'on fera une partie, peut-être pas. On verra bien. Donc je vous laisse là. Demain, demain après-midi, 14h du coup, pour la suite de The Sexy Brutal, et probablement, très probablement la fin. Sinon, ce soir, 21h, Codenames avec les gens du Discord. C'est le rendez-vous mardi va sound, comme tous les mardis soirs. Voilà. Et après, il y aura d'autres choses dans la semaine, bien entendu. N'hésitez pas à suivre les Iva Sound Studio sur les différents réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur Discord, suivez sur Twitch, abonnez-vous sur Twitch et soutenez le crowdfunding qui est en cours. On compte sur vous, parlez-en autour de vous, à vos familles, à vos proches, à vos collègues, à vos camarades, histoire de soutenir l'association. C'est une belle petite asso, je pense, avec des belles valeurs et des choses qu'on fait quand même qui sont intéressantes en stream, mais pas seulement. Donc parlez-en autour de vous, c'est comme ça qu'on pourra réussir ce petit objectif là quand même. Allez, passez une agréable fin d'après-midi, je vous retrouve ce soir à 21h sur Twitch. Et je sauvegarde, bien entendu. Allez, à ce soir, cordialement, bisous.